vivent, les murs parlent. Des créatures étranges, violentes ou rêveuses, sourdes de leurs interstices, se déploient sur les surfaces abîmées ou trop propres. La zoopoétique étudie comment les arts, graphiques, corporels ou linguistiques, expriment la vie et comment les vivants s'expriment par leurs allures, leurs chants, leurs cris ou leurs gestes. Les chimères éphémères du street art s'extirpent-elles des murs pour nous happer ? Creusent-elles les profondeurs historiques et fantasmatiques des façades et de la pierre ? Ou nous montrent-elles, tout simplement, qu'on peut se poser et se reposer en elles ? Le temps, qui veut apposer sa signature à même les murs de la ville, cherche des corps pour se matérialiser, écrivait Proust. Les artistes de la rue en ont inventé à foison. Ces créatures peintes, collées ou ancrées sont souvent des hybrides. Humains, animaux, éléments tels que l'eau, le feu, l'air, mais aussi la pierre, la brique, le béton, la peinture, la colle, le mastic ou la chair, s'entremêlent et font exploser la notion de surface. Les hybrides, ces créatures du mélange, de l'appariement, de l'articulation ou du métissage, ont accompagné d'innombrables civilisations. Ces médiateurs qui, depuis la plus haute antiquité, mettent en relation les humains avec les puissants, les démons ou les divinités, sont aussi ceux qui nous avertissent de prendre garde, de monter la garde, de renverser la garde. Mais la beauté ou l'intensité de ces créatures est aussi un appel à autre chose. Elles définissent notre temps présent comme celui de l'éphémère, du recouvrement des vies, du passage, et suggèrent que la rue est elle-même un corps qui sécrète ses fictions, ses peurs, ses rêves, dont le plus ancien d'entre eux, la métamorphose. Nous avons coévolué avec les animaux pour devenir les humains que nous sommes. Plus ils disparaissent, balayés par l'endémie et la pollution humaine, plus ils font retour dans nos imaginaires. Dans un même espace, rue Lemont, au cœur du quartier juif de Belleville, des œuvres de street art se succèdent au fil des ans. Les hybrides deviennent témoins et reflets de la mutation sociale du lieu. Le petit pan de mur situé à droite du très animé Café des Délices et à gauche de la synagogue Horaheim passionne les artistes. L'éco-poétique, qui étudie les relations entre l'écologie et l'art, se déploie autour de la notion grecque d'oikos, qui signifie le patrimoine, la maisonnée, le lieu. On peut l'élargir aujourd'hui à nos habitats urbains. L'éco-poétique est donc aussi une éco-politique, une réflexion sur la polis, terme grec qui renvoie à la cité et à la vie en commun. Un ange mélancolique en grisaille ferme les yeux sur notre monde ou sur un au-delà hypothétique. Ses ailes colorées déploient ses rêves. En miroir, la femme oiseau amérindienne perd ses plumes. L'ange aux ailes de couleur est recouvert courant 2013 par le navire baleine peint par l'artiste portoricain Alexis Diaz, qui survole une forêt et des montagnes ocres surgit des pavés. Mu par un cœur montgolfière qui oscille entre l'organique et le mécanique, transportant un squelette d'empereur à la tête d'oiseau décapité dont on ne sait s'il est passager ou capitaine, la peinture surréaliste nous parle des puissances d'outre-monde, des Moby Dick transformés en moyens de transport, des empires déchus, de la clé manquante de nos cœurs et de nos songes, des yeux vivants qui nous observent quand nous, humains, nous croyons seuls spectateurs. À gauche, une femme pousse un cri puissant. Les deux œuvres sont séparées par une cloison, et pourtant, elles forment un ensemble lui-même éphémère et hybridé, que deux humains de chair prennent en photo. Sur le trottoir d'en face, juste devant la synagogue cerclée de barrières, un autre navire, celui de l'artiste Roti, tente de fluidifier la rue. Cet étrange bateau, qui oscille entre la machine, la forteresse et l'arche, est mené par un homme lièvre qui regarde derrière lui, vers le navire baleine et le devenir morbide du capitaine,
les roues à aube s'enfoncent dans le trottoir. Le serpent qui se mord la queue fait à la fois signe vers le mythe de l'éternel retour et vers une fumée de moteur. Cette arche peuplée de reptiles, de poissons et d'hommes rongeurs est constituée de bois, d'écailles et de briques bleues qui ne recouvrent que partiellement les carreaux orangés et orientaux de la boucherie cachère en rhino avant sa rénovation couleur coquille d'œuf. Effacement prudent, l'étoile de David sur le mur a disparu. Le serpent et l'arche nous orientent vers la Bible hébraïque. Mais parce qu'il entoure ce bateau-monde et qu'il est conduit par un homme à tête d'animal, il me fait aussi penser à l'ancienne Égypte. À Noun, déesse de la nuit, femme en forme de voûte céleste étoilée, ou à la longue traversée vers le royaume de la mort. À droite, la fumée sort d'une tour de donjon ou de cathédrale. L'hybridité des corps est aussi une hybridité des cultures. Le mot hybride vient du latin hybrida, qui désignait le bâtard, le sang mêlé. Il renvoie donc tout d'abord à une origine biologique mélangée. Ce terme latin, hybrida, a lui-même été contaminé par le terme grec hubris, qui signifie l'excès, la démesure, souvent tragique. De cette chimère linguistique découlent deux types d'hybrides. L'hybride qui a fusionné deux éléments distincts et qui devient donc un être nouveau, par exemple le mulet, et l'hybride qui résulte d'un collage sans assimilation, d'une agglomération sans fusion. Constitué de deux espèces incompatibles, cette énigme vivante heurte notre rationalité et donne une impression de monstruosité ou de troublante poéticité. Éric Maréchal reçoit des collages d'artistes du monde entier. À lui de choisir où et comment les coller. Le collectif Street Art Without Borders déploie une poétique ubiquiste, sans frontières, où l'éphémère devient paradoxalement pérenne, parce qu'il peut se déplacer, davantage que les bêtes auxquelles les humains ne laissent plus de place, si ce n'est par effraction. À l'homme qui lui tourne le dos, Artémis, la déesse des forêts sauvages, ou en tout cas une lunaire femme biche, enjoint de faire silence. La créature interrègne qui surgit des gaies affiches part en chasse, a un secret à garder, ou souhaite assourdir le babil de la ville. Marquise revisite le Christ géant qui surplombe Rio de Janeiro. Elle transforme l'homme en femme, le fils en damoiselle, la couronne d'épines en cornes et oreilles animales. D'autres corps de femmes et d'autres genèses ont investi les façades d'une ancienne poissonnerie et de la galerie les temps donnés. L'artiste 13 bis nous fait sentir que le vivant est un continuum et qu'il ne cesse par ses formes et ses parures de se présenter au monde. Le papier des collages a la texture d'une aile de papillon ou d'une peau de femme et vient lui-même tatouer la ville. Les chairs et les matières s'échangent sans heurts, courbes de poissons devenant œil humain, yeux de la mer épousant la rondeur des galets qui répondent aux courbes féminines, ailes ocellées se faisant masque, fragilité des papiers déchirés, trous de mémoire, rêves animés. Inutile de chercher la clé pour entrer dans la tête des femmes. Il suffit de suivre le doigt qui nous fait signe vers le nom de la galerie. Prenons le temps de l'art, de la déambulation, des réminiscences, de la vie couvée. Ce qui m'intéresse particulièrement dans les graffitis et le street art en général, c'est qu'ils sollicitent le regard des passants et qu'ils produisent chez les gens qui les regardent des significations qui n'ont pas forcément été prévues par leurs auteurs. Ici, je vois quelque chose de doublement ironique. D'abord parce que quand les murs sont un terrain d'affrontement politique,
On se dit que les interventions qui protestent ont plus de chances d'être arrachées qu'arracheuses, d'être objets plutôt que vectrices de censure. Dans le premier des trois clichés, en fait, l'arrachage a pour effet de poétiser l'affiche de départ. C'est-à-dire qu'au départ, on avait une simple image de promotion commerciale, mais avec l'arrachage partiel, cette image acquiert de la profondeur, et je veux dire de la profondeur au sens propre. Parce que sous la bidimensionnalité, on voit apparaître un palimpseste. Là où quelqu'un a arraché un bout d'affiche pour censurer le contact entre la bouche de l'humain et celle de l'animal, on voit apparaître de face une bouche humaine sans visage, sans qu'on sache vraiment quel sens donner à cette nouvelle image, et ça j'en reparlerai plus tard. Mais ici, ce qui me frappe aussi, c'est le caractère vraiment fortuit de ce nouveau signifiant, parce qu'en fait, il est involontaire. Et ça, c'est directement dû au caractère intrinsèquement éphémère de toutes ces interventions peintes, écrites, dessinées ou collées sur les murs, et qu'on appelle graffiti ou street art. Un regard échangé, ou presque échangé, entre l'homme et l'animal. Le premier est avenant, souriant, tranquille, radieux, à l'image du ciel sur lequel il se détache. Et au contraire, le second crispe ses griffes sur un outil menaçant qui est peut-être une arme. Ce personnage hybride est lui-même encadré de divers tags, et il y a un autre tag plus gros qui recouvre le bas de ses pattes, et ça renforce l'impression menaçante qui se dégage de l'ensemble. Sur l'image de l'homme, à gauche, ce qui est surimposé, c'est la silhouette de quatre hommes armés, casqués, qui brandissent des boucliers et des matraques. Assez immédiatement, on les identifie comme des CRS, des agents de la BAC, en tout cas des forces de l'ordre. Et alors, l'image de l'homme prend une toute autre dimension. Lui qui est noir et qui représente peut-être une menace aux yeux des racistes, on se demande s'il est étranger, migrant, entre guillemets. L'image des barbelés qui est également surimposée peut nous faire voir le personnage de cette manière. Eh bien, cet homme qui embrasse avec confiance un ciel où les icônes monétaires de la mondialisation sont auréolées par les étoiles du drapeau européen, c'est lui, cet homme, qui est sous la menace de l'oiseau monstre et de la répression monstre. Mais bien malin qui pourrait dire quelle était l'intention première de celui ou celle qui a dessiné l'homme ou l'animal anthropomorphe. Même si on se doute bien que les symboles monétaires et les CRS représentent une critique, et pas une célébration, de la mondialisation et du contrôle de l'ordre public. Et donc si on admet que l'inscription a une signification, cette signification est en grande partie fortuite. C'est le fruit d'une rencontre qui, en toute probabilité, n'a pas été recherchée par les premiers auteurs. Donc en réalité, leur inscription était alors une espèce de signifiant vide qui attendait d'être rempli, d'abord par d'autres inscriptions, et ensuite par notre regard. Et notre regard lui-même, il est tributaire des circonstances, elles aussi fortuites, dans lesquelles nous regardons. Cette image-ci, ce n'est pas juste la photo de papier collé sur le mur dans une rue, c'est aussi une photo de la rue dans laquelle ces papiers sont collés sur un mur et dans laquelle passent une femme et une jeune fille noire qui sont sans doute originaires d'Afrique de l'Ouest vu leurs vêtements. Et elles viennent de passer devant l'image de l'ours Paddington, reconnaissable à son chapeau, son duffel coat et sa valise, avec en français et en anglais une légende qui dit « la migration n'est pas un crime ». L'origine de cette image a parfois été attribuée, par erreur semble-t-il, au célèbre street artiste britannique Banksy. Mais quoi qu'il en soit, elle est devenue emblématique des mobilisations contre la répression anti-migrants. Et ici, c'est comme si Paddington, qui est devenu l'emblème des droits des migrants, regardait avec bienveillance ces deux femmes d'origine ouest-africaine, leur disait et nous disait depuis ce mur français où il est affiché qu'elles ont le droit d'être ici, de circuler devant lui, devant nous, à nos côtés, car la migration n'est pas un crime. C'est devenu un truisme, selon Marshall McLuhan, le message c'est le médium. Mais ici, encore une fois, le message est non seulement façonné par le médium, mais aussi par les conditions de réception dans lesquelles nous y avons accès. En l'occurrence, l'ours Paddington, c'est une figure de la culture populaire, une icône de la littérature enfantine la plus britannique et la plus inoffensive. Et il a été détourné pour incarner un message qui est en apparence gentillet et complètement inoffensif, mais qui, l'air de rien, subrepticement, contredit 30 ans de criminalisation des immigrés, de militarisation du contrôle aux frontières et, plus généralement, d'idéologie anti-immigration. Et de cette manière, le gentil petit ours Paddington, inoffensif, devient en fait un dissident et quasiment un rebelle.
A contrario, Mickey, c'est l'icône de la culture populaire la plus capitaliste et la plus mondialisée, celle de Disney. Et le voici, ou plutôt voici son visage, en lieu et place de celui de Barack Obama, au moment où il décore le sergent Salvatore Giunta, suite à une action héroïque en Afghanistan. Cette image est affichée au milieu d'une galerie de portraits de personnages de dessins animés qui usurpent tous le visage de responsables politiques ou militaires. Par exemple, ceux de la célèbre photo de la salle des opérations militaires de la Maison Blanche, au moment de l'intervention qui a conduit à la liquidation d'Oussama Ben Laden en 2011 sur ordre d'Obama et en présence d'Hillary Clinton. Il y a là un mélange vraiment troublant de dérision et de gravité. Ces clichés nous laissent perplexes. Ils interrogent sans rien affirmer. Le signifiant n'est pas tout à fait vide cette fois, mais il n'est certainement pas plein. Il est un peu plus ici, où deux personnages encravatés à tête de Mickey affichent une espèce de sourire naïf sur un fond qui représente un billet de 100$, la plus grosse coupure dans cette monnaie. Le résultat, c'est que ces deux décideurs politiques ou économiques, on ne sait pas d'ailleurs, l'ambiguïté est elle-même frappante, ces deux personnages sont surplombés par l'effigie géante de Benjamin Franklin, et on ne sait pas si c'est un signe de protection ou de contrôle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens prédéterminé. Chaque spectateur peut projeter sur cette image le sens qu'il y voit. Ce qui est sûr, c'est que les deux personnages en premier plan sont anonymes, interchangeables, ils ont perdu toute individualité. Ici, au contraire, on voit s'affirmer une individualité qui est assez inattendue, c'est celle d'un gorille qui déchire les barreaux du zoo pour nous alerter sur le réchauffement planétaire. À moins qu'il ne déchire les barreaux de la cage mentale et politique dans laquelle nous nous sommes enfermés. C'est ce que suggère le jeu de mots entre « warning », la mise en garde, et « warming », le réchauffement. Ce gorille, il fait partie d'une installation autorisée qui a été réalisée lors d'un festival écologiste à Bordeaux. Et ce chimpanzé aussi. Ce que je trouve frappant ici, c'est que ce chimpanzé aurait aussi bien pu être dessiné sans autorisation dans n'importe quel espace urbain. Il s'apprête à enfiler un gilet de sauvetage et de cette manière, il lance l'alerte sur la montée des eaux, le péril environnemental qui guette la planète. Et alors, on en revient à la question de la censure. Parce que ce singe, il me rappelle que les lanceurs d'alerte sont souvent victimes d'entraves à leur liberté d'expression. Et que justement, le street art et le graffiti, c'est en quelque sorte de la liberté d'expression en acte. Un jour, j'ai lu sur un mur un slogan qui m'a beaucoup frappé. Ça disait « Mur blanc, peuple soumis ». Alors ça n'est sans doute pas la plus fine des analyses politiques, ce qui est rarement le cas des graffitis et ça n'est pas leur but, mais ça m'interroge sur la manière dont nous exerçons notre droit à la liberté d'expression dans notre monde connecté, et où Internet et les réseaux sociaux sont d'ailleurs devenus l'un des principaux vecteurs d'images de graffitis. Baudrillard a dit des graphes new-yorkais des années 70 qu'ils, je cite, qu'ils échappent au principe de signification et, en tant que signifiant vide, font irruption dans la sphère des signes pleins de la ville qu'ils dissolvent par leur seule présence. Fin de citation. On n'en est pas tout à fait à ce point d'insignifiance ici, mais je crois que cette image nous invite à voir que les graffitis et autres inscriptions sauvages peuvent être des remèdes à une cyberdémocratie qui est saturée de sens. La communauté de la Serra do Padre est l'une des 20 communautés qui composent la terre autochtone Tupinambá de Olivens. Elle s'étend sur près de 47 000 hectares, à environ 500 km de la ville de Salvador de Bahia, au Brésil. Différents documents historiques attestent de la présence des Tupinambá dans la région, mais ce n'est qu'en 2002 que le gouvernement brésilien les a reconnus officiellement. En 2004, la Fondation nationale de l'Indien, FUNAI, a commencé les processus d'identification et de délimitation du territoire autochtone. La même année, les Tupinambá ont entrepris un processus de récupération de terres, c'est-à-dire des actions de récupération de parcelles du territoire qu'ils occupaient historiquement. En 2012, l'État n'a pas respecté les délais dans la procédure de démarcation du territoire. Le procès a été transféré au ministère de la Justice et le cabinet de conseil s'est prononcé en faveur de l'étude réalisée par la FUNAI. Et pourtant, aucun ministre n'a à ce jour signé d'arrêté administratif. Plus récemment, avec l'élection de Jair Bolsonaro, les violences et les violations de droits contre les peuples autochtones au Brésil se sont intensifiées. Les Tupinambá vivent une criminalisation constante,
leurs représentants sont persécutés. Les menaces viennent des opposants à la démarcation, grands propriétaires terriens, entrepreneurs dans l'immobilier et le tourisme, mais aussi agents de la police civile et militaire, ainsi que des juges fédéraux. Cette œuvre, qui évoque les femmes autochtones, la défense de l'environnement et les menaces causées par les mégaprojets et les barrages. Elle raconte l'histoire d'une confrontation et implicitement évoque le non-respect du principe de consentement préalable. Ce droit spécifique devait nous défendre, mais il n'est jamais appliqué. Cette image montre aussi la lutte des femmes, celle qui est menée pour défendre le territoire et assurer la souveraineté alimentaire, le bien vivre. Les femmes, en tant que représentantes, politiques ou associatives, jouent un rôle fondamental dans la lutte pour leur territoire. Sur notre territoire, nous sommes actuellement menacés par deux projets. Le projet de construction du port au Sou, un projet de transport de minerais qui coûte 2,5 millions de réals, et le projet de création d'un complexe balnéaire, Villa Galé, da Costa do Cacao, un investissement d'1,5 million d'un groupe portugais. La municipalité négocie actuellement un partenariat avec ce groupe sans nous avoir consultés. Ces projets menacent la vie maritime et les mangroves, mais aussi notre vie, car nous dépendons aussi de la pêche traditionnelle. Ils vont rendre inaccessible une partie du littoral. Comme dans l'image qui montre une femme autochtone qui fait corps avec des poissons, notre vie est liée à l'environnement naturel. Et notre vie va être totalement modifiée par la mise en place de ces projets. Pour moi, cette image évoque le chaos. Au centre, il y a le colibri, qui rappelle une fable où il essaie d'éteindre l'incendie. Et nous, ici, on a fait un peu comme lui. Nous étions encerclés par plusieurs personnes qui venaient abattre les arbres et piller la forêt et polluer la rivière. Des espèces étaient menacées, les abeilles, comme dans l'image, mais aussi les tatous et le gibier étaient devenus rares. Mais grâce à la récupération du territoire, nous avons empêché la destruction de la forêt. Actuellement, il y a 5 espèces de jaguars et la faune et la flore se développent. Et on a commencé à répertorier plusieurs types d'abeilles dans le territoire. Aujourd'hui, nous plantons des fleurs et les colibris viennent collecter le pollen, le miel et boire l'eau des fleurs. C'est beau à voir. On a vu aussi une chose merveilleuse faite par les fourniers roux. Il y a eu une rafale de vent qui a détruit leur nid. Et ils se sont réunis et sont revenus le lendemain et ont reconstruit tous les nids. C'est quelque chose qui a été observé par les anciens. Donc, je crois que c'est ça. Nous aussi, nous pouvons nous réunir collectivement, comme eux, pour récupérer notre territoire et inverser ce chaos en luttant. L'image évoque également la COP21. C'est un lieu pour discuter de la question de l'environnement dans le monde, mais l'on ne partage pas d'expériences et de solutions concrètes. Et du coup, ce ne sont que des paroles vides de sens et une dépense désordonnée d'argent sans un effet concret.
Dans cette image, on peut voir en haut une croix sur la tête d'un cadavre de vache. La croix évoque le siècle de colonisation, l'État qui domine, contrôle et qui envahit. Et puis, il y a la zone du bas, où on voit une richesse, celle des communautés autochtones et des quilomboles, descendants d'esclaves qui ont réussi à fuir, qui luttent contre l'État, l'Église et les propriétaires terriens pour maintenir leur territoire de vie et qui luttent également contre les gouvernements qui ne pensent qu'à leur profit personnel. C'est l'idée de l'histoire qui se répète. L'image évoque également le rapport urbain-rural que l'on perçoit toujours comme séparé alors qu'ils se complètent et sont interdépendants. Cette œuvre fait référence à la culture afro-brésilienne. Elle évoque un échange d'identité. Dans une main se trouve un visage et à côté, un masque qui est remplacé par une tête de chouette. Cela témoigne d'un moyen de rendre le peuple noir et sa culture invisible et de rendre invisible sa résistance, sa lutte, sa spiritualité, ses traits, car c'est ce qui définit notre identité. Ne pas perdre nos spécificités. La confrontation pendant la période coloniale a été très violente, mais les préjugés sont très forts et encore bien visibles aujourd'hui. On voit ici une inversion des valeurs. On le voit à partir des regards, un regard vers l'au-delà et un regard terrestre. Et cela évoque une représentation des Incantados, principale entité de la cosmovision Tupinambá, plus particulièrement avec le symbole de l'oiseau sur la tête de l'homme et les deux têtes liées à la nature, aux plantes, aux racines, aux troncs d'arbres. On voit une main tournée vers le bas et une autre vers le haut, cueillant et recevant, apportant la guérison. C'est l'idée de réunir tout ce qui a de valeur et qui est fragile. Il s'agit d'un monde sensible, interconnecté avec les autres, un monde qui est nécessaire d'explorer.